l'exposition Les combats de minuit qui a lieu en ce moment à la Bibliothèque nationale en galerie des donateurs est l'occasion pour la Bibliothèque nationale de remercier les enfants de Jérôme et Annette Ladon, Irène, André et Mathieu, d'avoir fait ce don exceptionnel de la quasi-totalité de la bibliothèque personnelle de leurs parents. Cette exposition est une plongée dans la bibliothèque personnelle de Jérôme et Annette Ladon. Nous avons sélectionné les plus beaux exemplaires, car il faut voir que ce don est exceptionnel puisqu'il rassemble des éditions pour la plupart originales, des exemplaires dédicacés de plus de 600 ouvrages des éditions de minuit et d'autres ouvrages parus chez d'autres éditeurs, mais envoyés par leurs auteurs à Jérôme et ou à sa femme Annette. Jérôme Ladon était un enfant qui dévorait les livres et son père aurait dit « on en fera un éditeur ». Et il l'aurait encouragé à se tourner justement vers les métiers du livre, vers l'imprimerie. La guerre l'a empêché d'entamer ses études professionnelles. Et c'est seulement après-guerre qu'il cherche des stages dans l'imprimerie. Pendant la guerre, Jérôme Ladon, en raison de ses origines juives, a dû, avec sa famille, se réfugier en zone sud. Il a rejoint le maquis, il a pris les armes au maquis, puis il a rejoint l'armée de libération. Et après-guerre, il a appris qu'un ancien camarade de régiment était entré aux éditions de minuit qui ont été fondées sous l'occupation nazie en 1942 par Jean Bruller et Pierre d'Hivercor et Pierre de Lescure. Il est donc allé chercher un stage auprès d'un ancien camarade de régiment et c'est ainsi qu'il rentre fin 1946 à la fabrication sous les ordres de la femme de Vercor, Madame Bruller. Et en raison de négociations et des problèmes financiers que connaissaient les éditions de minuit après-guerre, la famille de Jérôme Ladon et la famille d'Annette aide financièrement les éditions de minuit et Jérôme Ladon se retrouve en mars 1948 alors qu'il n'a que 22 ans à la direction de cette maison d'édition et très vite il va assumer le passé résistant de la maison et s'engager lui aussi en essayant d'une part de maintenir l'esprit de la résistance plus tard avec la guerre d'Algérie en s'engageant contre la poursuite de cette guerre et surtout contre l'usage de la torture par l'armée française en Algérie. Nous avons dans l'immédiat après-guerre, Jérôme Ladon créé la collection Documents pour dédier à des enquêtes, à des témoignages. Il va avoir l'audace de publier des textes qui vont faire polémique. Il fait preuve d'un grand esprit d'ouverture. Il se défendra toujours d'être un éditeur politique, mais il alimente le débat politique de l'époque, le débat sur le communisme, le débat sur justement ce qu'est devenu la résistance. Et c'est le cas notamment en publiant la lettre au directeur de la résistance de Jean Paulhan en 1952, livre qui a été refusé partout en raison de son caractère extrêmement virulent. Jean Paulhan s'en prend en particulier aux communistes et au rôle qu'ils ont joué dans l'épuration dans le monde littéraire. Pendant la guerre d'Algérie, Jérôme Ladon est l'éditeur de La question d'Henri Alleg, qui est un livre qui lance sur le débat public sur l'usage de la torture. La bibliothèque personnelle de Jérôme et Annette Ladon recelait des trésors bibliophiliques, comme deux livres d'artistes, l'un de Les Métamorphoses du vide de Maurice Henry, qui est un livre à transformation, qui est un livre très savoureux, très drôle, et qui a été très difficile à fabriquer, qui a coûté extrêmement cher aux éditions de minuit, et qui montre le goût du défi de Jérôme Ladon. Et Maurice Henry lui rend hommage dans sa dédicace en parlant du plus rêveur et du plus audacieux des éditeurs.
Les éditions de Minuit, on le sait peu, ont aussi édité une collection, les cahiers Force et Vive, dédiés à l'architecture et en particulier à l'œuvre très avant-gardiste et très contestée de Le Corbusier. C'est une collection qui se distingue par son format carré, ses jaquettes très colorées. Robert Linhart écrit sur l'exemplaire de son livre « Le sucre et la faim » à Jérôme Lindon qui se bat pour que tant de voix ne soient pas étouffées. Et cette dédicace vraiment représente sans doute très bien l'esprit dans lequel il a combattu pour ses auteurs et pour des causes comme par exemple la cause palestinienne ou la cause de, voilà, de ses ouvriers maltraités au Brésil ou des ouvriers chez Citroën dont parle Robert Linhart dans l'établi. Charlotte Delbo dédicace son livre à la fois à Jérôme Lindon et à Annette Lindon. Et pour Annette Lindon, elle parle d'elle en la qualifiant de son lecteur sensible. Et cette dédicace nous montre bien qu'il y a dû y avoir entre ces deux femmes voilà, un rapport, en tout cas un échange autour des écrits de Charlotte Delbo. Annette Lindon, en 2006, à l'occasion du centenaire de la naissance de Beckett, a donné à la Bibliothèque nationale le manuscrit d'En attendant Godot, de Beckett. En 1951, quand Jérôme Lindon lit le manuscrit de Molloy, il a une révélation. Et si tous ses confrères ont refusé ce manuscrit, il a vraiment un rôle à jouer dans l'édition. Et même si ce livre ne se vend pas, si la maison d'édition fait faillite, au moins il aura été l'éditeur de Samuel Beckett. Et c'est ainsi qu'il édite Molloy, Malone-Meur, puis Godot, puis L'Innommable. Jérôme Lindon a eu très tôt l'intuition que les revues étaient importantes pour une maison d'édition. C'était un moyen de découvrir de nouveaux auteurs et de faire connaître aussi les auteurs. Et les éditions de Minuit ont repris la revue critique de Georges Bataille en 1950. Dans cette revue paraissent les premiers textes d'un auteur qui s'appelle Alain Robbe-Grillet. Jérôme Lindon publie aux éditions de Minuit le roman de Robbe-Grillet, Les Gommes, en 1953, mais dans un silence absolu de la critique. Et tous les deux, ils vont essayer justement de faire connaître ce livre. Ils vont faire appel notamment à Roland Barthes, à qui ils demandent un article qui paraîtra dans la revue Critique. Et qui article qui va faire de Robbe-Grillet le chef de file d'une nouvelle école littéraire qui a pour seul mot d'ordre finalement de rejeter les formes traditionnelles du roman. C'est en 1955 que Robbe-Grillet publie Le Voyeur, qui connaît un succès de scandale et qui donne une certaine aura à cet auteur. Et Jérôme Lindon, à ce moment-là, lui demande de devenir son conseiller littéraire aux éditions Minuit. Et l'aventure du nouveau roman, vraiment, est lancée au tournant de l'année 56-57. L'essentiel du catalogue Minuit est consacré à ce qu'on va appeler le nouveau roman en 57. On a mis en valeur une dédicace d'Alain Robbe-Grillet sur l'exemplaire qu'il offre de ses mémoires Les derniers jours de Corinthe en 1994 à Jérôme Lindon. Il écrit pour Jérôme Lindon avec qui j'ai porté les valises du nouveau roman. Donc ce sont les auteurs que l'on voit sur la fameuse photo du nouveau roman. C'est Alain Robbe-Grillet bien sûr, mais aussi Claude Simon, Robert Pinget, Nathalie Sarraute et Michel Butor. Et aussi Claude Ollier. À la fin des années 70, Jérôme Lindon découvre le méridien de Greenwich de Jean Eschnaus et à sa grande surprise, il se voit l'éditeur d'une nouvelle génération, ce qu'il ne pensait pas pouvoir devenir. Et cette nouvelle génération d'auteurs est extrêmement honorée d'être édité aux éditions de Minuit. On le sent dans leur dédicace. Jean Eschnaus, son livre « Je m'en vais », enfin le titre qu'il a choisi pour son roman est une citation directe de Beckett.
le passage de relais se fait entre Jérôme Lindon et sa fille Irène, qui était aux éditions de Minuit depuis plusieurs années, qui lisait les manuscrits. Peu à peu, Irène Lindon devient l'interlocutrice privilégiée des auteurs qui envoient leurs manuscrits aux éditions de Minuit. Nous exposons par exemple un exemplaire d'un fantôme d'Éric Chevillard qui, dans ses dédicaces, parle de Jérôme Lindon comme peut-être l'un des derniers éditeurs à croire, dit-il, en ces fantômes que sont les écrivains. Le combat qui a le plus mobilisé Jérôme Lindon, c'est le combat pour la défense de l'édition indépendante, la défense de la librairie indépendante, la défense du prix du livre. Il est l'artisan de la loi sur le prix du livre. Cette exposition est une occasion de rendre hommage au combat qu'a mené Jérôme Lindon à la tête des éditions de Minuit de 1948 jusqu'à sa mort en 2001. Des combats à la fois politiques, esthétiques, littéraires et intellectuels qui ont marqué la seconde moitié du XXe siècle.